J'occupe la fonction de chargé de développement Building Automation chez Rexel. La partie Building Automation consiste à développer les systèmes de gestion, d'analyse énergétique des bâtiments tertiaires autour des systèmes de comptage de l'énergie et de régulation de l'énergie. Je travaille uniquement sur du projet tertiaire, donc du collège, de l'EHPAD, du camping, de l'hôpital, de tout ce qui est vraiment bâtiment tertiaire. Comment vas-tu ? Bonjour André. Ça va ? Tu vas bien ? Oui, ça va très bien. Bon, tu vois, on a avancé un petit peu. Oui, mais ça avance bien. Je vois que ça commence à prendre forme. Plus que la mise en service de la GTB à, voilà, c'est tout. À réaliser, c'est le contrôle tout d'accès à vérifier. On est sur le camping des Lodges, sur la commune de Vennes. Monsieur Lafragette nous a sollicité ici sur le site pour parler de la GTB et surtout le premier but c'était faire des économies d'énergie et essayer de gérer le multi-lot avec un seul système. Salut Bernard. Hop, salut, ça va? Ouais, bon ça va, ça se passe bien? Ça se passe comme prévu. Donc là tu es en train de finaliser la partie contrôle d'accès. Contrôle d'accès. Et après les logements seront terminés niveau bus. Seront terminés au niveau bus, tout est raccordé. On fait un suivi de chantier pour être sûr que les différentes entreprises qui ont été choisies réalisent les solutions comme on leur a demandé, au plus près du besoin de l'utilisateur et du propriétaire. Sur le plan réseau, choix et mise en place de ce matériel, Rexel a vraiment été un maître d'œuvre et le résultat est là. Bon Marin, on fait un peu le point du chantier concernant les lodges. Ouais. On va faire par tranche, donc les 19 lodges, on est bon. Les chefs d'agence aussi jouent un rôle très important dans la liaison d'informations entre la partie TCI, agence et chargé de développement. C'est un peu la clé de voûte du réseau de communication. Les thermostats, c'est ce qui a été pris chez... chez Zegno. Chez Zegno, voilà. Marin est là pour accompagner et le client sur la partie technique, m'accompagner à moi évidemment, et accompagner les installateurs sur la partie process qu'on fait. Ce type d'expérience fait que maintenant, je pense que l'agence sollicitera plus les chargés de développement parce qu'on a un retour réel sur le sujet avec un projet comme ça. Salut Laurent. Salut Marin. Ça va ? Impeccable. Là, tu es en train de faire la mise en service de la partie régule. Oui, c'est ça. Ben, on met les deux régulateurs là dans cette armoire. Donc ici, on est sur le chantier de l'EHPAD de Gignac. Donc c'est une maison de retraite médicalisée. Et là, on est dans la partie chaufferie et la société ADES est en train de faire la mise en service du lot ELEC et du lot CVC, donc de la GTB sur le site. On voit que l'utilisation du bus KNX, comme était prévu, a permis aux deux sociétés d'installation de gagner du temps et d'avoir qu'un seul système de gestion. Rexel a fourni une grande partie du matériel électrique et des organes de pilotage de la partie hydraulique, c'est-à-dire tout ce qui est vanne, tout ce qui est servomoteur et toute la partie GTB. On cherche auprès de Marin des conseils en dernière technologie au niveau de l'offre KNX essentiellement. Et on travaille par rapport à des questions diverses et variées suivant les projets qu'on peut avoir avec nos clients, quoi. Ce qui me plaît dans mon poste aujourd'hui, c'est la partie efficacité énergétique, tout ce qui est comptage de l'énergie, analyse de l'énergie. Sur toutes ces nouvelles gammes, il y a aussi un autre argument qui est primordial, KNX. Le côté chargé de développement qui, lui, c'est un suivi technique, pas uniquement commercial, mais on arrive à se démarquer par la technique, tout en ayant une veille technologique et un suivi commercial important.